kaw fo ka waliman don aw bɛ yɔrɔ yɔrɔ sanka in kɔnɔ mali kɔnɔ mali kɔ kan renouveau télé kanubagaw ka taa se radio ma ani an ka page facebook foli ni tanu waliman don ka kɛ aw bɛɛ lajɛlen sanka in kɔnɔ l'école en question dimanche doyanw ni nin wagati sera an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ plateau kan ka kuma di fasodenw ma u ka yeta mali kalanko gɛlɛyaw la cogo min na an ka bilasiraliw kɛ ɔ farankani minnu yɛrɛ be yen minnu kɛra n'olu fɛnɛ ɲɛna olu ka fɔ ɔ halibi a bɛ dabɔkun ye min ye kalan a ka se ka ta bala sabula jamana o jamana ni kalan bilara kɔfɛ a ka ca ala fɛ o jamana ka ɲɛta gɛlɛya ba kɔnɔ ɔ o faamuyali sɔrɔla an fɛ renouveau so kɔnɔ ɲɛmaso ye kalan sigi a plateau ka kuma di fasodenw ma bilasirali ka kɛ bonya ni karama kɔnɔ an ye wele bila minnu ma u bɛɛ lajɛlen sera kɛnɛ kɔnɔ ani minnu bena jɛ ka baro kɛ nin wagati kofɔlenw na magale o ye alasane keita promoteur d'école complexe scolaire chaque modibo jara a lafiyabugu an commune 4 ale bɛ an bolokɔrɔ nin ta siɲa gale plateau kan ma filana o ye fɛn min ye ibrahim toure syndicat de l'enseignement supérieur certainement le comité fléchel ale fɛnɛ bɛ an bolokɔrɔ an ye wele bila ma masabana deba kante président de l'union de partenaires et parents d'élèves du mali nanina o ye mamadu maiga membre de l'association global sappers ale bɛ an bolokɔrɔ an ye wele bila a fɛnɛ ma sanka ɲi kɔnɔ an ka mawulelenw filɛ nin ye baro bɛna kɛ min kan o ye ni ye an ka lisew ta se ka taa se an ka universitéw ma gɛlɛya belebele be sabula filiyɛru minnu kaan ka kalan wagati dɔw la ma caman be k'olu tɛ o yɛrɛ ye u bilara filiyɛri minnu na ɔ ni minnu fɛnɛ pasera bagi la u bɛ ta ekɔli minnu na gɛlɛya be wagati dɔw la dɔ bɛ tayɔrɔ dɔ la o ka laɲini to ye ɔ nin bɛɛlajɛlen nafa o be se ka kɛ juman ye minnu bɛ ka kalan yɛrɛ kɛ ka taa se u somɔgɔw ka laɲiniw ma an bena baro kɛ ni kɛ a wagati nin na ɔ ka aw bɛɛlajɛlen fo ka waleman dɔn l'école en question ni an sigikun ye ka dantigɛli kɛ an ka tɛmu kan ɔ yani an ka don baro kɔnɔ an bɛ taa alasane fanfɛ monsieur keita kibaruya dɔ be mali kalanko bunakun kan wa merci beaucoup filɛtigɛlaw bɛ fo téléspectateurw bɛ fo ka ko débatɛrw yɛrɛ fo vraiment merci donc bon kibaruya min be sa mali kalanko la o y'an be ka rentré préparé parce que voilà ministre yɛrɛ ministre bɔra ka communication ka kan ko rentré le 1er octobre mardi 1er octobre 2024 donc an ye préparation daminɛ pour la rentré et en même temps n be se ka mun fɔ jusqu'à présent école privé ka subvention ko état ka lagɛ ka hakili to a la parce que rentré mena kɛ sisan parce que ni fɛn fɛn be kɛ a be kɛ yani rentré ka kɛ pour que denmisɛnw se ka kalan kɛ basigi la kosɛbɛ voilà o kibara de be merci beaucoup jaabiw fɛnɛ ɲana defu ni bagi ni a tɔ minnu bɛ sena jaabiw fɛnɛ ɲana examɛnw n'est-ce pas bawa examɛnw bɛ jaabiw ɲana a kɛra ka ɲa jaabiw ɲɛra ka ɲa donc tout le monde est d'accord là dessus ok donc an be gouvernement fo akaw la et an be ala deli fɛnɛ ɲini ta ka kɛ ten d'accord. Je me tourne vers Monsieur Ibrahim Touré. Monsieur Touré, ce n'est pas votre première fois sur ce plateau. Alors, des difficultés toujours existantes au sein de la fléchelle. Alors, concrètement, voilà. Qu'est-ce que nous pouvons retenir comme difficulté voilà, au niveau donc, des professeurs, certainement. Voilà, donc merci beaucoup de m'avoir invité à votre plateau. Merci. Je suis le secrétaire général du syndicat des enseignants de la faculté des lettres, langues et des sciences du langage. Voilà, donc je salue d'abord votre plateau télé et je voudrais souligner que notre syndicat souscrit totalement au pacte de stabilité sociale et de croissance signé par le gouvernement et les organisations syndicales okay. en août 2023. Mais je voudrais quand même signaler qu'il y a des difficultés au sein de notre faculté, des difficultés auxquelles l'État doit apporter vraiment des solutions. Parce que le problème principal qu'il y a chez nous, c'est par rapport aux heures supplémentaires. Voilà. Par exemple, chez nous, plus de 70% des enseignants sont des vacataires. Vacataires, ça veut dire que ces enseignants-là, ils n'ont d'autres sources de revenus que les heures qu'ils exécutent à l'université. Mm-hmm. Et ils sont payés de l'heure. Ils n'ont pas de salaire, ils n'ont que ces heures supplémentaires-là. Mm-hmm. Donc, je voudrais dire que depuis 2022, okay. à nos jours, on n'a pas, les enseignants de cette faculté n'ont pas perçu leurs heures supplémentaires. Donc, depuis et deux ans. Depuis deux ans, okay. voilà. Et bientôt, c'est la rentrée. Voilà, nous ne sommes pas à Bamako. Notre université se situe à Kabbalah. Mm-hmm. Ça veut dire que le déplacement nécessite quand même un certain coût financier. Et comme mon collègue vient de le souligner aussi, bientôt c'est la rentrée scolaire. Nous avons aussi des enfants qui vont aller à l'école. Okay. Donc nous appelons vraiment l'État à faire en sorte que ces heures-là soient rapidement payées pour qu'on puisse reprendre normalement nos activités et pour qu'on puisse aussi faire face aux dépenses
que la rentrée scolaire exige, voilà, vis-à-vis de nous en tant que parents. Okay. Voilà, c'est surtout le message que je voudrais lancer à nos Vous autorités. Avez une idée du coût, c'est-à-dire du montant des 2 années des horaires non payés? Voilà, bon, parce que chez nous, il y a les enseignants permanents. Les enseignants permanents, c'est des fonctionnaires. Et il y a les enseignants vacataires. Les enseignants, chaque enseignant permanent, il a un volume horaire qu'il doit exécuter pendant la semaine. Par exemple, moi, je suis assistant. Chaque semaine, je dois exécuter 12 heures de cours. Mais tout ce que je fais comme cours au-delà de ces 12 heures est calculé en heures supplémentaires. Voilà. Mais moi, j'ai mon salaire, je suis assistant. Okay. Je suis permanent. Mais il y a aussi les vacataires, comme je l'ai dit, qui constituent 75%. Donc, pour eux, c'est plus l'argent qu'il nous faut aujourd'hui pour payer les heures supplémentaires qui se sont cumulées sur des années. C'est environ 400 millions de francs CFA. D'accord. Voilà. Les vacances universitaires ont déjà pris fin? Non, la rentrée, voilà, la rentrée, c'est comme pour tout le monde, ça sera le 1er octobre 2024. Voilà. Merci, Monsieur Touré. Ambata Dimbakante, Fanfé, Dimbakante, Inisouma, Aoué, École de Mans, Aoué, Tchamambe, Fo, Aoué, So, Ambena Kuma, Minka, Soumada, Ina, Nabora, Ola, Kouara, Dobe, Nafabemina, Ni, Mauka, Ankadon, Mali, Kalanko, Bounakunka. Oui, sur les Mbifo, auprès de l'Oua. Ministre ko talata octobre ko le folo ko mali fam bela jele ko école de temps. Bon, ça c'est une bonne chose, on est en train de que le 1er octobre comme vient de dire mon collègue, même les supérieurs aussi sont dans ça. Bien. Donc, c'est une bonne chose. OK. Nous donnons le bon ordre. Malheureusement en dehors ça aucun gagné. Mais ma ami finadron école menata parents qu'on est au prélendo. Mais quand même, des fous qui assistent en deux menaces qui sont parce que l'orientation couvert les problèmes. Vous savez, quand vous avez les carreaux classiques, ils sont à la maison ou au talon de taro. Ne m'a pas dit d'or, il y a la kéla ou à l'école Boloda. École Beta, comme moi, docteur ou Beban Kassoumata, école la Kassoumata. Vraiment, il faut établir mon flèche à solution sur au Franana qui est très très important. Pendant que vous avez des vous seront avec Sorono 2 mois. À ma blaireur là. Ni c'est mon parent, il est en école privée là, mais c'était mon mieux ça. Tu attends. Bon, tu attends. Bon, faut orientation kaké. Orientation kaké. Bon, comme quand même des mensonges là. D'accord. D'ailleurs, moi, j'ai causé avec beaucoup de personnes. D'accord. Bon, partant de là aussi, des faux attestations. Des capots d'obé, yoro d'obé, ou de warmina à retraire là. Attestation, il y a une attestation non fait. Avec Warbe Mine. Il y a une attestation. Il y a une démonstration de l'attestation. Il y a une attestation. 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 Il y a une D'accord. Mais, on va dans Mindo. D'accord. Mais il y a aussi un attestation. Il y a une attestation. Non, il y a il y a Mokoti, il y a Kibarado Suraka. Il y a Kibarado Suraka. Il y a des câbles de blague à l'air. Kata attestation. Ou Mbeke. Mais, jusqu'à présent, Rodo Bake, Kavoko, avec un papier dur de ça. Bon, justement, il fallait que maintenant, Ika Kunafon Dafa, parce que interpeller la maîtrise d'Ofe, ni parallèle ou d'Ofe, ou la Kassé Académie Directeur Doma, à comment non? Des fous attestations avec des fous mais papier mimbe ici sans demander cassé papier fermanindi mais ni mi ba fait à quelque papier dur comme nous et carton à manier Québec qui mettra parce que coup capoure de beau sang au moussaka bla à blocoro donc ni mi ba fait taka coca qui be au Québec dit comme d'accord explication me dira de moi oui voilà je crois que état qui jojoro là glabe jamana ko dimba ou quoi que akati feu katinga car il demo sauma ya ko fami beta bodeka ok qui mettait do boulot ya mais deux fois ça avait do boulot na gna qui mettait way ya mais worte demo so boulot de wor tambulo a soro ya tani d'accord ya mais donc outma nan don passera de coula ou le demo sayo parce que na ta fami ga mo ko saka ni ke tuma mina d'accord et bi wor na wor deux fois dollar et demo so kono ke bi wor ta ga te idem balonoy so bi sa ke tuwa d'accord demba
D'accord. Kibara dobe ebulu minanga tem tekele wa maiga. Bati, je pense que le thème c'est très bien choisi. OK. Mais simplement moi j'ai rentré quand même à Kenya mais c'est tout. C'est ça qui est l'inquiétude principale pour moi. Est-ce que promoteur d'école et Kajuruna be rojme. Promoteur d'école privée on a même du ma Kalanso là. Micro. Micro. Duguma Kalanso par exemple lycée privé mon l'état vous subventionne. Est-ce que Awaru sera là? Ça c'est premièrement une inquiétude. D'accord. Maintenant au niveau du supérieur, inquiétude ouara ou bien. Est-ce que classico? Est-ce que Demsanou a bango ou nyanabora? Est-ce que Salou aménagera? Est-ce que ministère ni syndicat ou sigira rapma? Est-ce que sans même la dame ne mais est-ce qu'elle sera achevée? Herela. D'accord. Est-ce que les départements en charge de l'éducation ont clarifié ces positions-là avec les différents protagonistes avant de commencer l'année? On a une dame de drone juste. D'accord. Ouais, on veut la forme à la Fodoro au Mali, à la dame le 1er octobre. Ok, la dame le 1er octobre, mais la dame est basique même. D'accord. Est-ce que les enfants pourront suivre le programme dans une certaine stabilité? Ok. Est-ce que les résultats passés qui sont là, est-ce qu'il y a un nouveau cap qui est fixé? Est-ce qu'on va aller au-delà de ces résultats au DEF, au BAC, au CAP, au BT? D'accord. Est-ce que toutes ces problématiques-là ont été bien visualisées par les départements en charge pour atteindre ces objectifs-là? Est-ce qu'ils se sont mis tous les moyens à leur disposition? Ou est-ce qu'ils ont vraiment discuté réellement au vu de la situation du pays et tout ça? D'accord. Maintenant, les zones qui sont en train d'être libérées, comment la rouverture des écoles va se faire à ce niveau? Comment on va pouvoir amener les anciens? Tout ça, c'est les questions que moi je me pose. Tout à fait. Moi, je suppose que le département aurait dû convoquer ou bien aurait dû quand même inviter tous les acteurs de l'école malienne pour discuter de ces préalables-là avant qu'on commence l'année. Pour vraiment montrer non seulement leur bonne foi, parce que comme tu l'as dit, difficulté, mais une difficulté, il faut que je m'en invite. Nous aurons décortiqué car il y a un rôle à fort. Okay. Tiens, là, on a une vision claire. Voici comment on veut l'atteindre. Voici le problème mandala. Mais voici les moyens que nous avons. Et nous voulons que tout le monde y mette du sien pour atteindre l'objectif. Moi, c'est la question que je me pose. D'accord. Nous avons dit que nous avons dit que l'autorité a fait un comité de gestion scolaire ou que Didia, l'école Sou ou Djeya Saboula, bien le premier. On a fait le 1er octobre, école Beta. On a juste un mois pour préparer les écoles. Kourou, Kata, c'est que les écoles là où ma. Donc, c'est Jésus, Ani Merou, parce que lycée ou ni école technique ou Bédiral, c'est Merou, ma si ça. Donc, ou kou Didia, école Sou, Kadia, Kabé, ni école Taye. Oh, Frangan Tom, nous bé, département, Ani Académie, Kata, c'est promoteur d'école ou ma, Ani partenaire tout. Si Kafo Katia, ni Kalunkono, la même Bela Djelenka Sabati, Kabé, ni le 1er octobre. Oui, bela djelen ka laini. Obato ambedo anka tem kono anye suantili ke sanka kono amena kuma femka la san keta ni anka lycée ou jetemine demu no be passé 10e kata 11e na souvent show ka gele flieru la dobe bla rodo la kasro aka laini te gele ara fele be wati do la parando be lute januka deu ka choy okuma demana passé 10e na kata 11e na. Voilà, merci beaucoup Sori pour la question. Donc effectivement, orientation ni je pense que état et réforme de Kosaina, parce qu'en réalité c'est un sérieux problème entre l'administration scolaire et les parents d'élèves. Parce que souvent, en manant à Barak et les parents d'Obé ne sont pas satisfaits. Donc non, ils demandent nous blâmer de là, vous faites à Rataï Robo fait. Mais réforme de Kera, c'est-à-dire la 10e commune générale, follow. Donc 10e lettre pour Badama.
Donc, en système que nous disons, on a 10e lettre qui est à Damara, 10e science qui est à Damara. Mais au Dabla Rassa, on a une 10e commune générale. Donc, 10e commune générale, il est croyant. C'est-à-dire que nous sommes en train de se faire de Babou. Avant, les gars, et ABC, avec tendance, nous sommes en matin, physique, chimie, nous. ABC, ou la possède, ou bien ABC, économie, la possède, ou bien nous avons formé nos Français, la possède. Donc, en ce moment, ils ont toute une année pour voir, c'est-à-dire dès qu'un billet tombe, il y a un autre billet. Donc, par an, l'administration a un rôle de l'orientation. Orientation à ah, voilà, idem, billet, premier trimestre, billet, deuxième trimestre, troisième trimestre, billet. Ah, je vois qu'en maths, physique, chimie, il a de très bonnes notes. Bon, on a souhaité qu'à la 11e science là. Parce que 11e science, c'est même si nous nous forlons de maths, physique, chimie, bio, là, le bétail. Mais ah, il y a pas 11e science, il y a science exacte, il y a science exacte. Ah non, on a commencé à faire. Donc, 11e science, il a fait qu'à donc, ensuite, ah, il y a pas l'idée à forlons de l'économie là. À l'économie, ben, quand maths, fait quand. Donc maintenant, bah, la géographie, c'est bien. Donc, on a souhaité en la 11e SES, la science économique et sociale. Donc, maintenant, on a fait un côté. Ah, on a voilà, idée qu'il y a français, là, qu'il y a langue, là, anglais, là, qu'il y a espagnol, là, qu'il y a. Donc, notre souhait est qu'on a la 11e lettre, là. Maintenant, nous, qui avons 6 ans, et en parlant de comment, bon, on a dit que la 11e lettre, il avait abouti du même à terminal, là. Donc, 11e lettre, il avait abouti ce rythme-là, là. Donc, terminal langue et littérature, on a vu ma côté ensuite terminal art et lettres aussi. Donc, on a eu une forme de art, on a dessin, on a théâtre, on a fait. Donc, terminal est fly, on a eu une 11e lettre là. Ah. Donc, 11e SS, allez, finalement, abouti fly là. Terminal ou TSS, terminal sciences sociales. Donc, maintenant, on a eu la matière principale, sociologie, philosophie, histoire, jour. Donc, ensuite, on a eu abouti TSCO, on a eu la matière principale, du moins, économie, géographie, maths, comptabilité. Donc ensuite, on m'a expliqué, bon, voilà, notre ancienne science, là, avait abouti du même, hein, avait abouti TSE, la TSE, c'est terminal science exact. Donc, la matière principale du même, maths, physique, chimie, donc bio. Ensuite, et donc, les sciences expérimentales, maintenant, pour moi, aux sciences biologiques. Donc, maintenant, là, pour le nom, là, oui, biologie, ça aboutit à quoi? Ça aboutit à la médecine, donc à la pharmacie, à d'autres choses aussi, à la recherche, tout ça, là, quoi. Donc, oui, terminal science, surtout la médecine, à une filière ou chamambé. Donc, au filière, nous, en bas, des parents, on va aller. Donc, on va fichier avec des parents. Donc, mais malheureusement, et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les enfants sont victimes de l'ambition de leurs parents. On croit que c'est un faillé médecin. Donc, il y a la dingue à biomainté, à matimainté. Mais comme lui, il est médecin, donc il veut que l'enfant aille faire maintenant les sciences. Alors que, au courage, t'es bien en même temps au niveau de là. Parce que, série, nous faisons depuis bas âge fondamental, nous, à bébé de terminer, 10e, nous, bébé de terminer. Donc, dembe forcé la taille, elle n'a pas d'idée. Ouais. Donc, dembe taille, souvent, ni d'un sera à débrouiller, car moins 10 ni 11 sera ta terminale là, ta calée terminale là. Donc, au moment où ils vont se rendre compte que pour l'erreur, qu'il va se redonner un baguette de chien, flash, chien, ça va, finalement, l'enfant est exclu. Donc, c'est dit souvent, maintenant, à la mauvaise orientation. C'est parce que l'enfant a été victime de l'ambition mentale de ses parents. Ou bien, d'un rêve à fort, ah, une série de cadenets, qu'elle sera à niveau tal, à compétence tal, mes parents ne feraient pas soutenir au gars. Donc, nous avons dit, non, à me courir mes trous, à la dame, à me n'est qu'à la dame. Bon, malheureusement, il va se redonner un manataï, l'enfant n'est pas tenu. Et c'est ça qui amène beaucoup d'échecs au bac. D'où, on va t'insulter, il va se redonner une compétence pour tout là mais au bêta au bêta sans glinguer sans flaguer finalement au bêta mais donc ben nous que voilà il n'y a rien que donc mes sciences expérimentales là donc premier trimestre il n'y a rien notre humain il n'y a pas rien ou il n'y a rien de reste grave comme moi donc finalement au bêta finalement là au bêta tes scola à nous t'as eu la tes scola donc ils sont admis au bac avec mention tiens mon dieu lui admire avec le bac bon les enfants sont victimes souvent maintenant de la mauvaise orientation et souvent de l'ambition de mesurer des parents et piloti donc et série exacte que finalement après des mauvaises tant que les ça ni den au cabo mon cas aya toko le rôle du parent c'est quoi c'est là pour accompagner l'enfant à ni den au cabo art de que il faut l'accompagner il y a des gens qui ont réussi dans ce domaine là mais est-ce qu'il n'a pas il joue pas un rôle d'orientation aussi yeah. Parce que accompagner là ça veut dire être d'accord avec être d'accord avec le choix de l'enfant et soit avec le choix de l'administration donc maintenant une idée mais c'est avec moi ah voilà école de blaine ni école de blaine ça lui le camarade au bado maintenant ou bien ni den au cabo voilà quand même que na quand il a s'il a de bonnes notes donc il va accompagner mais dès au cas économique il faut aïe avant économique à tâter ce que car sur moi c'est une physique similaire de difficulté bon de venir dans les deux échecs donc ni dès au cas de monde ni rien de la compétence voilà laisse le faire donc toi ton devoir c'est de l'accompagner mais doit vous non quand tu as lettre là ni tra lettre là barre sur manide ou bien quand tu as économie là à barre sur manide ben tu as des sciences que ben c'est la science que d'accord la compétence de monde aïe à tout le gars et accompagner là aussi alors ça donc au problème de bande ni quand là bas ironie na oui. Comment est-ce que vous communiquez avec les parents par rapport au choix que l'enfant même choisit? Voilà, bon, cette communication dans les autres écoles, je ne sais pas, mais nous, on envoie des fiches d'orientation. Ah. Voilà.
nous on envoie à la fin de l'année, le troisième trimestre, on envoie des fiches d'orientation. On fait une fiche d'orientation, mais malheureusement, comme il est tard là, moi c'est bon, moi c'est assez bureau qu'on a tardé. Donc, fiche d'orientation en bas, apparemment, ils ont 2 mois, 3 mois pour nous renvoyer ces fiches là. On va signer, père va signer, l'enfant fait le choix, le père aussi signe. Je suis d'accord avec l'enfant, vous signez en ce moment. Ça, c'est après le troisième trimestre. Voilà, après le troisième trimestre. Okay. Parce que 10e commune générale d'Abokunodi, c'est pour ça qu'on l'appelle la 10e commune générale. C'est-à-dire donner le temps pendant une année à l'enfant pour jauger ses niveaux, voir dans quelle matière il est bien, quelles sont ses tendances. Est-ce qu'il a des tendances scientifiques? Est-ce qu'il a des tendances littéraires? Donc en ce moment, ou est-ce qu'il a des tendances économiques? En ce moment, vous faites votre choix. Soit tu es Yannick Kassoro, Erol Mablao. Erol Mablao, trimestre bulletin de bord, troisième trimestre bulletin de bord. Donc avec fiche d'orientation du parent au moins. Donc avec l'enfant, on va discuter, ensuite il nous renvoie la réponse. D'accord. Ça c'est... à votre niveau. Voilà. Donc fiche de renseignement des cas voilà. Quand on a dit parents. Très bien, dixième. D'accord. Oui. Monsieur Touré, Améta, à vous en fait. École de mon oubé passé Bagla, souvent, nous sera au moins. Iba et Kafo, ils ont beaucoup de difficultés. C'est-à-dire une rupture totale de niveau. D'autres, pour insuffisance, ils redoublent, d'autres sont exclus. Alors, concrètement, Fleury, nous, est-ce que impactitait Dimseno quand nous sera université là? Vous ne sentez pas une baisse de niveau? Oui, bon, merci beaucoup. C'est une question pertinente. J'espère que vous avez compris la question, parce que je l'ai posée en Bambara. Peut-être que tu as compris. Hein? Oui, oui, ça va. Ok, d'accord. Voilà, d'accord. Voilà. Donc, c'est une question pertinente, mais baisse de niveau, atteindre un niveau là, ce n'est pas un autre niveau. Les étudiants eux-mêmes qui arrivent à l'université, ils arrivent avec cette insuffisance-là en termes de niveau. Voilà. Le problème, c'est quoi? C'est que... Est-ce que le choix de filière aussi ne pose pas de problème à ce niveau-là? Si, ça pose problème parce qu'il y a un déficit d'information. Moi, j'ai vu beaucoup d'étudiants qui m'ont dit « je suis dans la filière-là, mais ce n'est pas ce à quoi je m'attendais ». Voilà, j'ai vu que c'est écrit linguistique, je pensais à autre chose. J'ai vu que c'est écrit bilingue, je pensais à autre chose. Je suis venu dans la filière et je trouve que c'est différent de ce à quoi je pensais. C'est parce qu'il y a un déficit d'information. Les étudiants eux-mêmes, ce que moi je propose, avant que étudiants ou qu'à choisir, il faut d'abord chercher le maximum d'informations sur les filières. Voilà, donc l'étudiant par exemple qui a fait TLL ou bien qui a fait TAL, généralement ce sont ces étudiants-là qui viennent chez nous. Parce que nous, c'est la faculté des lettres, langues et des sciences du langage. Les filières que nous avons, c'est langues comme anglais, comme russe, comme études germaniques et comme arabe. De l'autre côté, nous avons lettres, nous avons études aussi c'est quoi? Sciences du langage. Ça, c'est allemand. Allemand, oui. Allemand, voilà. Mm-hmm. Donc les langues quand même sont très prisées sur le marché de travail. Mais le plus important, comme je le dis, c'est d'abord de s'informer sur les différentes filières. Savoir en quoi consiste cette filière-là, savoir aussi quels sont les débouchés de cette filière. C'est ce que les étudiants ne font pas. Ils voient seulement le nom de la filière, voilà, et puis ils cochent sur ça et ils se trouvent dans une filière qu'ils n'apprécient pas. Or, la chose la plus importante pour réussir des études universitaires, c'est la passion. Il faut être passionné pour ce que l'on fait. Il faut aimer ce que l'on fait. Voilà, il y a déjà Hegel qui dit « Rien de grand ne s'est accompli dans ce monde sans passion. » Pour faire de grandes choses, il faut forcément aimer ce que vous faites. Voilà, donc maintenant... Ce que nous remarquons aussi à l'université, la dernière fois, moi, j'ai assisté à une conférence organisée par la Fondation Friedrich Ebert sur la corruption. Voilà, donc la conférence était en français, mais lorsqu'on a demandé à l'assistance de participer et de poser des questions, il y a une étudiante de notre université qui s'est levée et qui a dit que ce n'était pas normal que la conférence se tienne en français. C'est pas normal que la conférence se tienne en français. Donc les gens, la majorité des gens qui étaient dans la salle ont applaudi pour la fille, ont applaudi ce que la fille dit. Ça veut dire que tous ces gens qui sont dans la salle approuvent cela et sont d'accord que ces conférences leur doivent être tenues en Bamanankan. Voilà. Or, la réalité sur le marché du travail, la réalité à l'université, c'est que les choses ne se passent pas en Bamanankan. Les choses se passent en français. Donc forcément, les étudiants, ils doivent accorder plus d'importance, plus d'attention à la maîtrise, à la pratique de la langue française. Parce que moi, j'ai dit à l'étudiant, par exemple, vous vous dites que la conférence doit se tenir en français, mais lorsque vous allez, par exemple, passer le concours de la fonction publique, les épreuves de la fonction publique, c'est dans quelle langue? C'est en français, ça ne sera pas en Bamanankan. Lorsque vous allez faire postuler pour une demande d'offre d'emploi des ONG ou bien d'une entreprise,
le CV que vous allez rédiger, la lettre de motivation que vous allez rédiger, l'entretien auquel vous allez passer, ça va se dérouler en français. Donc ça veut dire qu'il y a voilà, une tendance qui valorise les langues nationales, mais sur la réalité du travail, comme l'État lui-même le dit, la langue de travail c'est le français, sur la réalité du travail, la langue de travail c'est le français. Les étudiants ils doivent maîtriser ça, ils doivent se dire cela. Voilà, parce que d'emblée, si tu te dis que c'est le Bamanankan qui doit être priorisé, d'emblée, en cas de concours, en cas d'entretien, voilà, les chances pour vous de passer sont, ouais, sont minimes. Donc moi, je voudrais attirer l'attention sur, sur ça. Sinon, toutes les filières sont intéressantes. Okay. La dernière chose aussi que je voudrais dire, c'est que l'université, ce n'est pas fait pour tout le monde. L'université doit vraiment être sélective. Tout le monde ne peut pas aller à l'université. Parce que si tout le monde va à l'université, ça va créer un embouteillage. Qu'est-ce que tout le monde va faire après? Parce qu'il y a peu de choses, il y a peu de débouchés. Et si déjà il y a tout le monde pour ce peu de débouchés-là, ça va créer une tension. Donc maintenant, ce que moi je propose, on sélectionne les meilleurs étudiants pour l'université. Parce que l'université, c'est un processus long. Il faut faire la licence, il faut faire le master et éventuellement le doctorat. Donc maintenant, à côté de l'université, il faut favoriser ce qu'on appelle le BTS, brevet de technicien supérieur. Voilà, qui va mettre l'accent sur la formation professionnalisante. Je crois qu'on va venir à ce niveau-là. Demakanté, avant qu'on ait dit, je vais enchaîner directement avec Maïga. Oui. Après, maintenant, il faut faire. Il a parlé se renseigner sur les filières avant l'inscription. Absolument. Maïga, comment est-ce qu'on peut se renseigner sur les filières avant l'inscription? Quand tu passes, tu es nouveau bachelier, maintenant, tu dois t'inscrire à l'université. Il sait qu'il y a une renseignée sur filière ou quand tu dis. Parce que c'est très important. Et aujourd'hui, c'est ce qui arrive à beaucoup d'étudiants glabés après quand ils se retrouvent à l'université. Ouais. Alors, comment se fait le choix pour le réflexe? Il y a plusieurs possibilités, à mon avis. En fait, déjà, ce que Léné vient de dire, ça, c'est déjà un premier processus qui commence au niveau même du lycée dans lequel l'enfant se trouve. Ça, c'est déjà une première étape. Maintenant, une deuxième étape serait que peut-être les universités aussi qui sont là, ouais, les instituts, les grandes écoles, fassent des journées portes ouvertes aussi. Pour accompagner le travail que ces gens-là font. Aux journées portes ouvertes ou avec un road, mais les écoles font des journées portes ouvertes et accueillent les étudiants de telle structure, par exemple, et essayent de les exposer en fait en réalité qu'est-ce qu'ils font ici, qu'est-ce qu'il faut faire pour venir ici, quelles sont les filières qu'il faut suivre pour venir ici. C'est des trucs intéressants qui pourront ouvrir les yeux des enfants. Maintenant, au-delà de ça, les étudiants eux-mêmes peuvent s'organiser en créant des journées aussi, en fait, des journées d'orientation eux-mêmes entre eux, essayer d'échanger avec leurs jeunes frères, d'aller faire des campagnes, même dans les lycées, pour dire que voilà, nous sommes là, nous sommes dans telle école, voilà. C'est, les universités privées le font. Les universités privées font le tour. Donc maintenant, aux structures publiques aussi, de voir comment... Mais est-ce que moi-même, aux structures publiques, parce qu'il faut se déplacer avec toute une équipe, bon, ça engendre un coût, M. Maïga. Est-ce que vous avez un coût? En fait, il faut faire travailler les ménages, quoi, en fait. Peut-être la situation actuelle ne permet pas de débourser autant d'argent pour ça, mais on a aujourd'hui des moyens très simples, très efficaces aujourd'hui de véhiculer des informations à l'intention des enfants. Donc on peut organiser des trucs très simples et faire. Et puis il faut reconnaître qu'il y a d'autres partenaires qui ne sont pas forcément l'État, qui peuvent accompagner ces gens de projet, qui l'ont fait dans le passé. Moi j'ai participé à plusieurs journées d'orientation organisées par le ministère de l'enseignement supérieur et d'autres structures, d'autres partenaires techniques et financiers du Mali, sur les berges du palais de la culture. Ce n'était pas financé totalement par l'État. Il y avait des partenaires extérieurs. Voilà, il y avait des partenaires extérieurs qui accompagnaient pour faire ça. Mais après, le ministère aussi a fait un document ou un manuel dans lequel ils ont un peu mis les différentes filières avec les orientations. Donc, je pense qu'il y a des efforts un peu partout. Mais il va falloir coordonner, en fait, ces choses-là pour que les enfants aussi puissent avoir des informations. Au-delà de tout ça, Sori, moi, ce que je déplore, c'est qu'en fait, si ce problème est là, c'est parce que moi, je me dis, est-ce que ce que nous apprenons aux enfants au lycée leur permet d'avoir l'esprit critique, quoi, en fait? Bon, l'esprit critique, ça veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire qu'il y a un don, parce que nous avons l'école n'a pas bien. Justement, parce que moi, je suppose en réalité que les gens sont souvent en déphasage avec ce qu'ils apprennent, quoi. Même si nous avons bien été ou bien au lycée ou là, parce que il a glissé un peu sur ma langue, en fait. Il faut avoir des objectifs. Ailleurs, ça s'est fait, quoi. Tu vois, un enfant qui est au lycée, déjà, tu trouveras qu'il a déjà quelque chose en tête, quoi. Non, moi, je vais devenir pilote. Non, moi, je vais devenir ça.
déjà, ça là, ce qu'il veut devenir là, il sait quels sont les moyens qu'il doit se donner, dans quelle matière il doit bien bosser. Et comme l'aîné l'a dit aussi, c'est-à-dire que les parents sont déjà prédisposés à accepter ces choix-là et à voir comment accompagner l'enfant en allant dans ce sens. D'accord. Maintenant, pour sortir de tout ça, okay. Moi je me pose la question, l'État même veut quoi en fait? Parce que ça, c'est la grande question. Parce que c'est là-bas que ça commence. Quelle est la vision de l'État même par rapport à l'école? Parce que cap follow au déo. L'État d'abord doit avoir des besoins. C'est à la base de ces besoins-là que on crée des universités, on crée des grandes écoles, on crée des facultés. Et l'État a créé les cadres pour ne pas être le seul monopole dans les IES. Maintenant, l'État a créé des conseils d'administration. Et dans ces conseils d'administration, normalement, ça veut dire que les partenaires techniques peuvent être dedans. Par exemple, moi, j'ai été à l'ENI. J'ai été au conseil d'administration de l'ENI. Au conseil d'administration de l'ENI, il y a le ministère des Mines. Il y a la SOMACEP qui participe. Il y a l'EDM qui participe. Il y a beaucoup de structures qui nous utilisent. Même il y a ceux qui sont dans les mines qui doivent participer. Donc, c'est pour dire quoi? Si l'ENI doit choisir des filières, par exemple, avant de faire le choix de ces filières, d'abord, on pose la question à l'État, quels sont tes besoins? Au-delà de ça, maintenant, les entreprises qui sont là, on leur pose la question, mais quels sont vos besoins aussi en termes de formation? Qu'est-ce que vous voulez réellement? Qu'est-ce que vous attendez? Quel genre de formation vous voulez? Et c'est à la base de ça qu'un conseil de perfectionnement est là et maintenant décide maintenant de voir quelle filière on va faire avec quel contenu maintenant dedans. Donc moi, je me dis que ça, c'est des choses importantes pour éviter aussi aux enfants d'aller se trouver dans un tourbillon avec le désordre comme ça. Et voilà, comme il a dit, il y a l'ambition de l'enfant, il y a l'ambition du parent, il y a la réalité du pays aussi. D'accord. Dema Kanté, aoué Dema Saoué, akon kada aoué wakati doula, denka kalanke kalami aoure bafé, ao haklinala, ka fokoni den klara ka kalana, abse ka yere de menna. Mais den tchamambe, nou koko bo srata aote soma. Bon, demansa caman be te soma de. D'accord. Il a bien parlé. La langue Molière qui est très bien. Très, très fort. Mais ce plateau là, c'est le Bamaranga. Ah ouais. D'accord. Aya forma, c'est pas effectivement, c'est important. Parce que à d'abord on partenaire chamaire ba ya kono. Ah ouais. Dobe ote to ka me. Donc on y me fo, on va bon à la limite. Normalement dobe Ouais, derrière les enfants. Je suis, et quand il y a matière maintenant, on peut continuer. D'accord. Maintenant, il y a des fous sur l'eau. Il faut attacher le bagman. Il va attacher le filet, mais il ne peut pas me faire un. Je vois ta copine. Je vais lui fournir le mina. Il est en Nadia. Il est en Nadia. Parce que inconvénient de mon nom, il y a des désorientés à la filière. Il n'y a pas de moyen. Il va tout la femme. Moi je respecte toujours la volonté de l'enfant à Kafena. Mais sauf il y a réellement pas qu'à Taoro, mais à Kamachoro là, c'est pas bon, je le conseille. Et en général, il y a combien? J'ai 6 bachelets chez moi. Dieu merci, on passera. Il y a comment famille. Donc, autrement, orientation court, vraiment, j'ai rejoint. Monsieur Keita. Mais avec moi, d'offre, ma même famille, à Coco, ou bien, après le troisième trimestre, pour les classes de 10 ans, par exemple, ou bien, fils de renseignement, on dit, par au moins, est-ce que il t'est arrivé une fois à avoir ce fils de renseignement-là? Avait dit, troisième trimestre-là. Mais, ou bien, on a aidé, ou bien, Mais c'est parce que tes enfants sont dans les privés, c'est pas ça? Ah! Ouais.
Vraiment, au vrai doyen, c'est une question qui... Parce que le problème est Romina. Effectivement, c'est vrai, voilà. Mais pour le public, voilà. Bon, il y a des problèmes là-bas. Il y a des problèmes là-bas. Bon, pour le public, vraiment, tard, donc, on avait dit à te dire, parce que je ne peux pas mentir. Parents qui m'ont approché, ou deux blara kata classique dans la 11e là, ou l'autre tas de deux blara. Il y a des parents aussi qui s'imposent, il faut le dire, il y a des parents qui s'imposent à se dire qu'il y a des gens qui sont contrôlés. Mais, ne fais rien d'un autre, tu as gagné une femme. Avec un professeur d'enseignement super, il a gagné une femme. Mais, avec un maître, ça y est, un maître, il faut le dire. Un maître, mais maintenant, mais c'est que sur mon badon, il y a des parents qui s'imposent ou Denga, il peut qu'il y ait finalement, des me jouer. Ou bien nous, avec ni promoteur, mais avec les soka, aïe Jona, avec parents ou les Jona, qui font un cas ça, ni mes dembon, Jona, Nataran, n'a pas joué. Mais non, ma quedron, l'enfant va dire. Oui, suivi Béromina. Oui, suivi Béromina, effectivement. Bon, dans les écoles publiques, les publics, je ne sais pas, hein. Bon, souris, en tout cas, vraiment, au cours, on a quoi que l'on est. La malle bibi n'a vraiment ni malle maouli qui djo. Ni gouvernement maouli qui djo. Ni maouli qui djo. Anga, école publique là, avec tout le monde. D'accord. Parce que, des fois, ma flébane, il y aura zéro admin. Ouais, centre d'eau là. Centre d'eau, il y a zéro admin. Plus de 300 candidats, zéro admin. Dans l'histoire. C'est intolérable, ouais. C'est intolérable. Zéro admin. D'accord. Ouais, il faut que le ministre Kaouli prenne ça au bras du corps. Quand il ramène tout là, vous m'excusez, avant le privé, d'abord, il y avait une île là. Il y a un moment qui a été fait. Il y a un moment qui a été fait. Il y a un moment qui a été fait. Mais il y a un moment qui a été fait. C'est très bien, il y a un moment qui a été fait. Mais il y a un moment qui a été fait. Il y a un moment qui a été fait. C'était nous, parents, qui a été inscrit à l'école privée là. D'accord. Donc, l'enseignement du monde, il y a un moment. Il y a comment faire. Notre sigo ou don, il y a fond, voilà, il paraît qu'il y a un directeur qui ne veut même pas afficher la fiche. À terme, afficher. Afficher la fiche, après, il n'y a pas que 3 admis. Toi. Dans son école. C'est pas le temps d'afficher. Il y a 3 admis. Toi. Plus besoin. D'accord, demain, en gros, tout le monde là. C'est vraiment lamentable. C'est lamentable. Ouais, pour un responsable d'école, quand même, sur tout un groupe scolaire, c'est lamentable. Vraiment, l'État doit revoir ça. D'accord, non, c'est lamentable. C'est lamentable. Monsieur Keta, en bétail, il faut faire. Anya et Kafo, Fier Chama et Refenebi, État, Kakan, Kabadi, Olu, Kabadu, Olu, la Kosovo, ou Nafou Kama. Mais ces dernières années, les premiers nationaux au bac, Amba et Kafo, à Bébé, série scientifique ou de là. Pourquoi c'est littéral ou non, ou quand même, tu connais? C'est une très bonne question. Okay. Voilà, il me semble que les premiers nationaux, non, Amba choisi, moi personnellement, je pense que choix que tu as mis en premier nationaux, on a un manque. En réalité, par exemple, si on dit TSE, par exemple, TSE dans toutes les sciences exactes, dans toutes les matières faites au bac, où c'est qu'à 20 sur appel là, n'a pas la fille là. Par exemple, un élève qui est bien en maths, il peut avoir 20 en maths. Un élève qui est bien en physique, il peut avoir 20 en physique. En chimie, il peut avoir 20. En bio, il peut avoir 20. Donc maintenant, et en philo, aussi, il est bien, il peut avoir 14 ou 16. Bon, c'est tout à fait normal que premier national Kaboula. Maintenant, ni tel est par exemple. Tel est l'effort là, tu vois, il est français, mais tu vois, littérature, ou en matière principale, souvent, il était 14 cas. Et philo, il était 14 cas. Vous voyez, donc maintenant, sciences économiques, ni sciences économiques, il était fort là, tu vois, souvent, ou en matière principale, non, économie, il va de tout, soit il était 16 cas, il était 17 cas. Vous voyez, donc la TSE est favorisée par rapport aux autres. C'est pour ça que maintenant, nous sommes tous les gens qui sont en série scientifique là-dedans, normal, déjà, c'est comme si nous avons 100 mètres, une course de 100 mètres, déjà, il va sur quelqu'un qui le met à 20 mètres à l'avant sur les autres. Donc, directement, c'est tout à fait normal d'aller à cet ordre. Donc, série science exacte, il y a dit. Donc, généralement, c'est les élèves sérieux qui partent là-bas, généralement. Ouais. Donc, maintenant, il y a sérieux, tu as donc 20 mètres, en matière, il y a un bac là. Donc, directement, il y a une fois ça, maths 20, physique 20, chimie 20, anglais 20.
philo 14 c'est fini, moi t'es mon qui dans ces deux là, c'est pas. Mais au avantage que ces deux là, ces deux là comme il y a fini là tu vois. Comme c'est littéraire par exemple. Comme c'est littéraire là. TLL par exemple. Sinon les premiers nationaux que choisis normalement, nous on fait premiers nationaux quand on choisit série par série. Voilà, voilà, voilà par exemple en terminal on a six terminal. Oui, voilà les. Dans le temps c'était comme ça. Voilà. Dans le temps c'était comme ça. Voilà, sinon Nina, toi série toi défavorisé non les toi. Ou toi défavorisé non. Donc de telle sorte que TLL c'est presque impossible TLL est holding avec premier national. C'est presque impossible économique pour les cadres. Okay. Donc, science expérimentale, nous sommes sûrs pour la science expérimentale de Vénin. Science expérimentale, un bon élève aussi peut avoir 20 en maths, 20 en bio, 20 en géologie, 20 en anglais. Philo 14 déjà, c'est donc avec une série flan de l'ignorantier. Donc, à Foucault, tel est le premier national, personne n'a demandé le cahier. Ouais. Donc, nous, les premiers nationaux choisis de Rokata, série par série. Voilà, voilà les premiers nationaux. Donc, il y a une série, à Bana. Mais un élève qui a eu 16. Un élève qui a eu 16 en TLL. Donc maintenant, c'est comme un élève qui a eu 17 maintenant en TSE. Avec, mais seulement au cas nous sommes de Tikili. Donc dans les séries littéraires, nous sommes limités, très limités même. Il y a un plafonnement au Tetemoka. Par exemple, Maître Doué Rebé, Philo, la loi qu'on a, il ne dépasse jamais 14 ans. Philo. Nous, avons une correction, il y a quelque chose de la côté de 14 cas. D'autres, la loi qu'on a, il ne dépasse jamais 15. Alors qu'en maths, il a tout fait, tu lui donnes 20. En bio, il a tout fait, tu lui donnes 20. En physique, il a tout fait. Donc, de telle sorte que nous favorisons nous. Donc, au cas, les gars, nous, les premiers nationaux choisis. Au cas, c'est Kata série Bella. Donc, voilà. Série Bella. Donc, par exemple, TLL, TAL, Kata ou Bella. Donc, on veut courageux de démontrer nous tout là. Sinon, les autres enfants sont frustrés. Donc, ils sont là, ils sont bien. Par exemple, quelqu'un qui raisonne bien. Et TLL là, ce sont des très bons magistrats qui quittent là-bas. Vous voyez. Donc, juste une remarque de Bouboy, c'est des gens qui s'expriment très bien. Donc, ils ont un très bon raisonnement. C'est une série scientifique aussi. Maintenant, le TSE, premier tacabla, tu poses un problème tout de suite, un problème scientifique, fengana, littérature là, ou bien philo là, il va sur sa télé l'école D, il s'en sort très bien. Mais il y a dit, fengana l'école D, ma TSE l'école D, il est bloqué. Alors que toutes ces matières là sont importantes. Jamana Tsega Johnny, juge n'y a pas Vous voyez, c'est des magistrats, c'est des gens qui parlent très bien, qui s'expriment très bien, qui dépendent des droits. Mais eux, ils sont défavorisés dans leur matière. Donc, philo 14, tu ne dépasses pas ça. Et littérature, tu ne dépasses pas ça. Bon, au début, nous n'avons pas de problème. Sinon, ils sont tous bien. D'accord. Ils sont tous bien. Donc, on a les gars qui, série par série, beaucoup bêlent le coup. Sinon, on continue à avoir quelqu'un qui vous frustrez les autres systèmes. Voilà, c'est pas moi. D'accord, je crois que les autorités doivent prendre note de ces observations. Monsieur Touré, en bêta, il faut en faire. En cas de flair, mon homme est au fait. Au flair, on ne faut pas un cadeau. Après la licence, si tu dois aller pour le master 1, master 2, le parent doit mettre la main à la poche. Mais avec la licence, il faut un cadeau. Quelle est votre analyse par rapport à cette question-là? Voilà, donc merci encore. Bon, comme Néafou, après le bac, Après le bac, en Kana, qui a été sélectionné, il faut accepter le niveau au Sénégal. Mon mon est biologique ou bien ou ka faculté là ou bien FM poste là c'est le même critère non Nimbana ça c'est fini okay, si ça voilà à partir de 12 seulement on peut postuler pour la médecine ouais et puis ils vont faire voilà à partir de la mention assez bien d'accord. Donc moi je propose qu'on fasse la même chose aussi chez nous parce que comme je l'ai dit l'université la faculté normalement c'est pour faire des études générales et longues par exemple quand vous prenez la licence licence on ne s'est pas vraiment spécialisé parce qu'il y a la licence professionnelle, ça c'est différent. On commence à faire ça chez nous, notamment en anglais, okay. Puis aussi en russe et en allemand. Donc on forme des traducteurs et des interprètes. Mais si Mogobe Mounbe Baki sur lettre là, ou Nana ou Yé traduction interprétée, après sur le marché de l'emploi, ça va créer un embouteillage. Voilà, donc on prend un nombre limité, comme ça s'est fait dans les grandes écoles ENI. IUT, institut, voilà, c'est facile là-bas parce que c'est sélectif. Mais chez nous, c'est pas sélectif. Par exemple, actuellement, dans notre faculté, il y a plus de 20 000 étudiants
à la faculté des lettres, langues et des sciences du langage. Voilà, comment on va... Il y a des mentions passables, il y a des mentions... Voilà, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Okay. Voilà, donc pour que la faculté même puisse avoir son utilité et aussi son, voilà, sa valeur d'antan, il faut qu'on commence à sélectionner les gens. Okay. Donc on forme quelques traducteurs, on forme quelques interprètes, ils vont avoir du travail. Si vous prenez lettres, ceux qui font lettres, normalement leur débouché, c'est l'enseignement. La première des choses, c'est l'enseignement. Voilà, ils vont être professeurs de français. Mais on peut aussi leur ouvrir, par exemple, les fonctions vers le journalisme, la communication, comme c'est des gens qui s'expriment bien, ils peuvent aussi intervenir dans ce domaine-là. Aujourd'hui, au Mali, il y a ce qu'on appelle l'édition, le travail d'édition. Il y a beaucoup de gens qui publient, même la semaine passée, il y a au moins 3 ou 4 romans qui ont été publiés. Donc ça, ça veut dire aussi, c'est un nouveau marché d'emploi qui vient de se créer pour l'édition. Ouais. Là aussi, on a besoin de littéraires. Voilà. Donc, c'est quand même, le premier débouché, c'est l'enseignement. Après, il y a d'autres oui, métiers. Oui, mais là où il y a le hic, Monsieur Touré, c'est que ceux qui font sciences de l'éducation, socio-anthropologie, histoire, archéologie, en réalité, c'est des problèmes après. Bon. Voilà. Le problème, c'est quoi? Pour que l'emploi Fana Kaké, c'est pas seulement la filière. Il faut aussi voir la situation économique du pays. Voilà, si la croissance est bonne dans le pays, si le pays, voilà, il y a, économiquement ça va, les choses marchent bien, forcément il va y avoir un peu de sortie pour tout le monde. Mais quand on fait ce genre de filière-là aussi, on ne peut pas avoir le travail de la filière qu'on a faite. On ne peut pas avoir ce travail-là. Mais la plupart de ces gens-là, c'est des gens qui arrivent quand même à se débrouiller dans d'autres domaines. Ils vont se débrouiller dans d'autres domaines, ils ont été instruits, ils ont les moyens de se défendre intellectuellement. Mais sociologie et aussi ce qui se fait chez nous à la Flesselle, généralement, voilà, c'est des débouchés enseignement. Mais après, ils peuvent faire autre chose dans les ONG, dans le domaine de la communication, etc. D'accord. Voilà, je voulais intervenir un peu là. Bon, moi, je pense qu'il faut qu'on change de mentalité en affaire de nous, en famille. Quand on fait des études, ce n'est pas pour être forcément embauché par l'État. Il faut qu'on ait des gens qui ont des gens. Bon, ce n'est pas pour être forcément embauché par l'État, parce que niveau études, que ça, par exemple, aux États-Unis, dans les pays développés, donc chacun veut créer sa propre entreprise. Il faut qu'on ait des gens. Par exemple, moi, j'ai fait sciences de l'éducation. Sciences de l'éducation, depuis que j'étais à l'université, j'ai su que l'État m'a retourné. Donc, moi, je me suis intéressé directement à l'enseignement. Je me suis dit que, ah bon, comme l'État n'a pas besoin de nous, je peux créer une école privée. En ce moment, nous sommes des administrateurs scolaires. Ah. Vous voyez. Même au niveau des académies, voilà, nous, même au niveau de l'académie, au niveau du ministère, ouais, nous sommes des académies. Parce que nous étudions maintenant tous les systèmes éducatifs du monde. Donc, j'ai dit que, mais pourquoi il reste dans ma école, ni créer, au lieu d'attendre l'État. C'est comme ça que moi, je me suis lancé maintenant dans la promotion d'école. Et je suis là où je suis aujourd'hui. Parce qu'à Bion, a déjà État Morotena. Bon, ni État Morotena, il y a quand même là. Donc c'est pour cela que Agne Durance et Manadura, à l'école privée créée. Donc à la fois, on a étudiant nous, on a calanque de droit qui est embauché. On veut calanque de telle sorte que on sait qu'à Baraka, on est quand on a le développement de là. Et en même temps, dans un pays sous-développé comme le Mali, il faut qu'on a fait les longues études là, souvent ça ne paye pas. On a talent professionnalisé, c'est-à-dire les études professionnelles, on a accent au Kajira, on est quand on a un bon électricien, quelqu'un qui fait vraiment un bon mécanicien, la mécanique, tout ça, essayer pour prioriser avec Jamana développé comme ça. Mais malheureusement, mon boulot là, mais Jamana a avantage de la Bekokonde à ta lycée là, Bekokonde à la université là. Mais c'est pour aboutir à quoi? Souvent, c'est pour s'asseoir à la. Donc, à ma diplôme. Alors que voilà, il y en a à ta université là, donc on a sur appuyer profession d'oké à bas aider avec l'eau là de la Bible à la profession directement. Vous voyez, donc comment il y a faut tout là. Donc, il faut que les universités soient sélectives. Donc, on a des étudiants, des bons étudiants, par exemple, dorénavant, était à une faculté l'animation Tiboulou. Donc, nous, assez bien Tiboulou. Il va être au bout, tu vas essayer d'orienter maintenant l'étude professionnelle là. Et ça pourrait beaucoup les aider. Voilà. Et puis, je veux juste ajouter un dernier point. Okay. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle une conversion professionnelle. Par exemple, celui qui fait une licence ou bien une maîtrise en sciences de l'éducation, après, il peut se professionnaliser dans un autre domaine, dans une autre spécialité, notamment les ressources humaines, la communication. Voilà. Donc, tout cela, j'ai une licence générale, mais après, je veux me spécialiser dans un domaine porteur d'emploi. D'accord. Il y a ça aussi qui... Voilà, ok, là, c'est pour avoir le master en ce moment ou quoi? Voilà, master d'accord. professionnel, par exemple. Monsieur Maïga, en même temps, il faut en faire. Et c'est dommage que Ouda Sera Ironi Doma, qui est vraiment une remarque pertinente aujourd'hui. Absolument. En cas où on va passer une mention bien, très bien, assez bien, ils vont à l'extérieur. Ils perçoivent des bourses d'études à l'extérieur.
et quand ils reviennent, peut-être d'autres ne reviennent même plus pour servir le pays. Pourtant, jamana est war bas de dou ou là. Bien sûr. Ou bien ta, quand on fait boursi so, mais rare parmi ceux qui viennent servir le pays. Bon, l'État doit revoir ça. Lui, il a parlé des conditions d'accès aux universités qui doivent être conditionnées à l'obtention de certaines, mentions pour qu'il signe. Mais ceux qui vont à l'extérieur aujourd'hui, des étudiants maliens, ni Boursi Bédouma, Maroc, Tunisie, Algérie, etc., rares parmi ces étudiants qui viennent servir encore le pays. Concrètement, est-ce que tu es du même avis que M. Touré? Bon, concernant la sélectivité au niveau de l'université, moi je ne partage pas leur avis parce que moi je suppose que c'est juste déplacer des problèmes. C'est juste déplacer les problèmes. Moi, je pense que les filières n'ont pas de problème. Il suffit juste de créer les conditions, en fait, pour que les enfants, ce qu'ils apprennent là, qu'ils sachent quoi faire, quoi. Comme l'aîné qui est à vient de le dire. En fait, moi, je trouve que au-delà de toutes les matières, à mon matière, université là, il y a quoi faire, quoi. Et quand il y a l'intelligence qui est là, il y a fin de famille, il y a une situation, il y a un environnement qu'on a, et voir comment je peux m'en sortir. Ok, là, et t'as rassuré à faire. Ok, là, t'as barré ONG le boulot. Ok, là, t'as rassuré à faire. Donc, pour moi, il faut que l'État crée vraiment les conditions. C'est le moment où la salle de classe où on est maître ou recruté drone. Ou à Demsa nous, la condition là. Nous me fera. Ou à Kalam, nous fera ta socio-anthropologie. Nous fera ta femme. Justement, au lieu de problèmes, en fait, en bien. Est-ce qu'on ne doit pas revoir ces filières là? Je ne suis pas totalement d'accord. Après la guerre. Socio-anthropologie, mon nom est Clarabi. Au Kabara Soron et Sciences de l'éducation en histoire et archéologie. Maïga Galea Bende. C'est ce que j'ai dit, Souri. Filaire, nous avons créé le conféo. Ni ou créé l'aîné a besoin d'orbi. Oh, mais est-ce que Mali. Est-ce que Mali Makote, Fleur ou Labi, Jamana Makote, Mouna Mouka Bouni. Non, question de poser au Souri. Sinon, ni a d'année Rama, personnellement, ni a d'année Rama. Depuis des fous la folo. Depuis, oui. Mon passé ta clan en 100 personnes, par exemple. Je prends un exemple, 100 personnes. Les 20 premiers, là, je les oriente directement au lycée. C'est eux qui vont aller faire, comme il l'a dit, les facultés, les universités, les juges, les économistes, les tout. Ceux qui ont les 20 premiers, les 20 excellents, je les mets à l'université. Okay. Les 40 premiers qui viennent après, je les mets dans les lycées techniques, en fait. Okay. C'est eux qui vont après s'orienter vers l'IPR, les écoles techniques, comme l'ENI, les instituts techniques, comme l'ENETP, ainsi de suite. Maintenant, les 40 qui sont là, je les mets dans l'école professionnelle. C'est-à-dire qu'ils seront des professionnels, ils vont. Les menuisiers, plomberies, électriciens, mécaniciens, rapidement. Pour que tu aies besoin économique. Moi, c'est ma vision. Ils sont autonomes. Moi, c'est ma vision. D'accord. Et là, ça permet d'abord de mieux maîtriser les trucs. Et le besoin est là aujourd'hui. Enfin, industrie, on en a des jeunes qui sont très bien qualifiés dans la plomberie, dans tel truc. Même dans la photographie. Moi, je suis parti au Bénin, par exemple. Je donne un exemple. Les gens ne prennent pas cette filière-là. Mais au Bénin, là-bas, ils ont une filière professionnalisante dans. C'est-à-dire la photographie, là. Il y a beaucoup de petites filières qu'on peut valoriser. Bon, bref, pour sortir de ça, quoi. Donc, moi, je pense qu'il faut repenser un peu comment nous faisons les choses. Et puis, il faut valoriser. D'accord. Il faut valoriser peut-être même quand tu as un petit diplôme. Dans certaines structures, ça se fait. Par exemple, tu prends l'EDM, tu prends la Somachef, même si tu rentres avec un BT, un CAP. Il y a un programme d'avancement qui fait que voilà, tu n'as rien à envier. Voilà, tu n'as rien à envier à quelqu'un qui vient avec un niveau ingénieur. OK, maintenant au-delà de ça, maintenant il y a Mounoufogo et Mounoumbe. C'est dommage que Mounoumbe Boursi sur Katakshiro là en tant que bachelier malien. Mais sur Ouena oui. Ouena. Wallahi Ouena. Mais on a tiens fonyo na quoi. Et tu sais là investissement que mon rôle là objectif de Kamau tu gars Clara Singana ou Clara ko au yoro kalaya kalaya au boulot chou genre la personne n'a il y a aucun mode de réinsertion de ces gens là quand ils viennent ils font face ça veut dire qu'il y a un système de mais tu mafia. Dois pas chômer quand tu as déjà une bourse tu dois pas chômer souris d'accord mais exemple que l'ennemi madron a fait couper ses gants ça m'a monnaie tibi d'accord c'est au lourd qui est un gros follow oui mais il n'a pas chômé my gars il n'a pas chômé mais il faut aller lui demander La filière qu'il a faite. Non, au-delà même de la filière qu'il a faite même. D'accord. Nana sur amena baroke nae. Ah, nyininga. Amena baroke nae. Donc, c'est pour te dire que... Amena wole. Ah,
mo mun fa fa bitara extérieur là en ganya bu be kono ka segi jamana ina wa affaire do tigé tigé le nou bebolo mais nous signa kana la plupart ou bena faire face à une mafia qui est là qui perturbe qui dérange donc finalement rester quand ils voient les conditions qui sont là-bas à chamami clara signa ta tourne ka ta waru nyini kasoroka signa na ko entreprise ou créer. C'est là où je vais en venir. C'est pour te dire qu'en réalité, l'État ne perd pas. Ne pas faire don, ni d'oron ne cité. D'accord. Mais pas chaman de don, mounou tara, ou bel la ben à la singana. Ou à dou tara, ou à baranyanamon bla, kanafoukou na jamana servi, ou nana, ils ont fait face à toutes les difficultés. Ou bien ta sera la dou, rebe recruté, oui. Mais ta sera rebe recruté, et bien, tu trouveras que c'est des considérations politiques qui sont là, fin d'obé, innovation d'obé, il veut faire fin d'obé. Donc finalement, les gens retournent. Donc c'est pour te dire qu'il veut baser en foukou tena, ou bien arrêt. Mais voilà. Je vais vous dire que il dembe Algérie, dembe Maroc, dembe Tunisie avec qui le corbana. Corbana. Ah. Bon, pourtant, Mumbu Blagata, ils sont pris en charge. Hein. D'accord. En principe. Bon, maintenant, par rapport à Monsieur Kita, avec moi de fois, par rapport à les premiers nationaux, vraiment, il faut que le débat soit. Je crois c'est très important. Ouais, ouais. Vraiment, c'est très important. Parce qu'à la filtration, il faut. Effectivement, parce que, je te jure, Il y a une première. Plutôt promoteur d'école privée là, vraiment c'est des promoteurs qui souffrent beaucoup. Donc en arrière mon subvention pas du tout là, parce que rentrer là ben depuis 6 ans à couvrir le gars comme madame Moussarani nous veut aller au gars d'Ouma pour que vous puissiez rentrer préparé sinon en donnant vraiment à promoteur. D'accord. Voilà. Donc merci beaucoup. Donc moi mon dernier mot, vraiment état qu'Akili Sigianga faculté là quoi. Il faut faire en sorte que au moins sur les 4 semestres impayés, il faut que l'État nous paye au moins un semestre pour qu'on puisse faire face aux dépenses de la rentrée pour nous, parce que partir à Kabbalah c'est un voyage. Bamako Kabbalah c'est un voyage. Et aussi pour qu'on puisse faire face aux dépenses de nos enfants qui vont bientôt reprendre le chemin de l'école. Merci Monsieur Touré et Monsieur Maga. Bon, moi vraiment, je n'ai pas grand chose à dire. C'est vraiment de remercier toujours votre plateau. Avec l'occasion de vous remercier. Merci beaucoup. Et je pense qu'il y a une émission sur les lots. D'accord. Bon, nous avons un peu de temps, mais c'est-à-dire que contribution de rendez-vous, quoi. D'accord, parce qu'on ben gagner des clés, jamana ngatanya, jamana kalamu watanya. D'accord. Donc, ne ben attendre des paroles, tout. Ok, d'accord. Donc, ne ben fera prendre la boucle, quand il est partenaire ou fait, femme, c'est Jessie Mouroué, Kalo Kelene, Ambolo, Angan Dija, Ekolo Kadjea, Tableau ni bon ou Bela Djelenka, Laben Kabeni, 1er octobre, Sabula Kalo Kelene, Ekolo Tato 3 Ode. Donc, Laben Bela Djelenka, Savati, Ekolo Sola, Demsenu Kata, Clanke lafia kono ka aw bela jelen fo ka wole mando ni badanski l'école en question wakati ni sontira ka di amma ma wole len kwe Ibrahim Touré comité syndical de la flessel voilà kata c'est monsieur Alassane Keita promoteur du complexe scolaire Cheikh Modou Bodiara depuis lafia bugu en commune 4 monsieur Global Chippers. Global Chippers. Chippers. Voilà. Très bien d'accord Mamadou Alep me ambulo koro maiga Monsieur Demba Kanté, président de l'Union des partenaires et parents d'élèves du Mali. Comment tu mets Kakeminka ou Ekafo? Flair Mounoumbe, Anga lycée ou Katase, université ou ma? Flair Mounou, Anafabise Kaké, Dume, Kalan Kelenko. Oh, Flair Mounou Kanga, Sukanti Trodi. Oh, gouvernement Rekan qui est bientôt Flair Nouna, Anafakase, Dimanama, Kalan Baneko, Atigla Mokofe. Anga mets Kapma Odeka. Ka au bela jelen fo ka wole mando Désiré Dakobe réalisation na madame Koulibaly Bintou Napo alebe radio la Dramane Kone Dak Junior alebe régie la yan fo kulikoro
DAE Mukhtar Ould Oumera Amba Fene Fou Kenen Kono Katase, DAE Mohamed Ag Ibrahim depuis Kati, sans oublier Madame Ould Kadiatou Traoré Koulikoro, en Académie d'enseignement Ambou Bela Djelenfo, Amayina, Baba Nadjo, complexe scolaire, le complexe scolaire Baba Nadjo, Amba Fene Fou, Michel Allaire, groupe scolaire Michel Arab, Mamadou Mariko, Kafo, sans oublier Mamadou Sisko, les établissements Larousse depuis Ségou, Ansongo, Nyonoku, Foko, Walimandon, Odjaskone, complexe scolaire La Bluère, Amba Kountier. Madame la présidente des associations des promotrices des écoles privées du Mali, Madame Kamara Nana Kadidja Kone, et toutes ses militantes et sympathisants, certainement, des associations des écoles privées du Mali. Koufoko Walimandon. Neva Dansigi, Anka, bi émission na Segembeke Djemaka, Inka Arabadou, Nege Kanyatan, Oro Katase, Kanyatan, Ani Wolom Blama. Amaina Omar Dialoko, émission était fort à quoi Samba Sangare, Kati Domena, Madame Poudjigou, Claudine Dugnon, Ambou Bela Djelenfo, Kati Domena. Aruna Djara, monsieur le préfet de Kati, émission était fort à quoi Wassalam.